Bonjour et pardon, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous raconter à propos du virus du corona et je vais vous expliquer quelles seront les difficultés si vous faites du dropshipping et quels sont les avantages si vous faites du dropshipping. Alors, je vais vous montrer exactement ce qu'on peut apprendre et ce qu'on devrait éviter, surtout maintenant qu'il faut s'adresser au virus le corona. Alors, passons à mon ordinateur, comme ça je peux vous montrer un petit peu plus en détail ce que j'ai appris pendant la dernière semaine. Ok, pour commencer, d'abord je vous explique un petit peu de quoi il s'agit, coronavirus, qui est devenu assez populaire. Ce n'est pas un tout nouveau virus, mais le virus a commencé fin 2019. Ça se trouve en Chine. Ça se trouve en Chine. Vous pouvez voir ici qu'en ce moment, pour le 2 février, c'est aujourd'hui, il y a eu 14 000 infections et 305 morts déjà depuis que ce virus a commencé il y a quelques semaines. Je peux vous dire, vous voyez ici que la majorité des infections se trouve en Chine, 14 380. Et surtout les autres pays, c'est des gens qui sont partis à l'étranger de la Chine. Et alors, eux ont été infectés quand ils étaient en Chine. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que simple, c'est que il faut être très prudent, il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'en ce moment, surtout si vous travaillez avec la Chine, ou si vous comptez faire de l'expédition dropshipping de la Chine, c'est important que vous voyez les résultats, qu'est-ce qu'ils prévoient dans les prochaines semaines qui viennent, tout ce qui se passe en rapport avec la Chine. Que si vous faites du dropshipping de sites, par exemple AliExpress ou des autres sites chinois, en ce moment, je peux vous expliquer que ça va prendre beaucoup plus du temps jusque les produits seront livrés vers les clients. Comme vous comprenez bien, en ce moment, il y a beaucoup de qui tutent point de vue du corona, le virus du corona. Et en ce moment, il n'y aura pas beaucoup d'activités. Et surtout en ce moment, si vous allez faire beaucoup du dropshipping des sites chinois, ça prendra plus du temps. Disons que vous aurez moins de ventes si vous allez vendre et que vous indiquez sur eBay que vous allez expédier vos produits de la Chine. Je peux vous montrer que ce qui est intéressant en ce moment, c'est que surtout les produits qui se vendent bien en ce moment, ce sont des produits qu'ils ont à voir avec des masques, surtout des masques contre le virus. Ok, comme vous voyez en ce moment, vous pouvez voir dans les journaux, sur l'internet, vous voyez beaucoup des gens en Chine qui utilisent beaucoup ces genres de masques. Par exemple, si je vais sur Amazon, je vais indiquer Surgical Face Mask. Vous pouvez voir que la majorité de ce genre de masques, vous voyez, il n'y a pas moyen de les acheter parce qu'il n'y en a plus du stock en ce moment. Ok, tous ces genres de masques se vendent currently unavailable, c'est-à-dire qu'en ce moment, il n'y a pas ces produits n'existent plus pour le moment. Et quand je vais sur eBay, par exemple, et je vais regarder sur eBay.com. Vous pouvez voir que regardez, il y a 3 600 résultats plus ou moins. Est-ce que ce produit se vend? On peut voir sur résultats sold items. Et vous pouvez voir que la majorité de ces produits se vendent. 4 044 produits pareils ont été vendus. Ça veut dire qu'il y a la panique. Disons que je vais choisir un des exemplaires ici. 34 produits ont été vendus. De cet exemplaire, c'est un vendeur d'Australie. Et comme je peux vous montrer, regardez, il a 3 feedbacks et il en a déjà vendu 34 produits pareils. Donc j'appuie pour voir ce vendeur. C'est un vendeur qui vient d'ouvrir son compte il y a à peu près un mois. Un mois, vous pouvez voir qu'il en a vendu déjà 34 des masques pareils. Vendus et expédiés d'Australie. Je peux vous montrer que, disons, d'un côté, moi, j'aurais proposé de ne pas faire d'expédition de la Chine en ce moment, parce que vous ne savez pas combien de temps ça prendra jusque le client, l'acheteur, recevra ses produits. Et d'un autre côté, vous pouvez voir que des produits pareils qu'ils ont avec des masques, tout ce qui a à voir avec des produits pour le virus en ce moment, vous voyez que ça se vend très, très, très bien. Il y a beaucoup de la demande et les clients, ils achètent ce genre de produits. Voilà, ce produit pareil. Produits pareils se sont vendus, deux se sont vendus.
Et vous pouvez voir qu'il y a une demande pour ce genre de produit en ce moment. Je vais sur Buy It Now. Vous pouvez voir que ces produits se vendent. Et je vous propose quand même de peut-être en ce moment attendre avec l'expédition des produits des sites chinois. Surtout pendant ce moment, vous pouvez aussi faire de la commande sur des sites chinois qui se trouvent aux États-Unis, qui ont des bureaux aux États-Unis. Par exemple, bon, vous avez un site, par exemple, Banggood, qui se trouve en Europe. Alors là, ce sera beaucoup plus simple si le produit se trouve déjà en Europe et que vous n'avez pas de risque à prendre si vous allez vendre des produits qui se trouvent déjà en Europe ou bien des produits qui se trouvent, Banggood, ils ont aussi des bureaux aux États-Unis. Alors, vous pouvez tout simplement rechercher aussi sur la plateforme, disons, je vous montre ici, ça c'est l'Europe, mais vous avez aussi USA Warehouse. Alors là, ce qui vous intéresse, c'est surtout de trouver tous les sites qui ont des bureaux en ce moment qui se ne trouvent pas vers la Chine, mais surtout les bureaux qui se trouvent ou bien sur l'Europe ou bien aux États-Unis. Une autre option, c'est AliExpress. Vous pouvez aussi voir AliExpress aux États-Unis. Il y a des bureaux d'entrepôt aux États-Unis. US Warehouse. En ce moment, il vous explique que avant de faire des achats sur leur site, ils vous proposent quand même d'être en contact, de voir si vous pouvez recevoir les produits directement, surtout à cause du problème. Bon, ils disent que c'est à cause qu'ils ont des fêtes de nouvelle année en ce moment, mais je vous propose quand même de bien vérifier ça avant que vous faites du dropshipping d'autres pays, des pays chinois ou des sites chinois. C'est très important parce qu'autrement, vous allez avoir des commandes et vous ne pourrez pas faire l'expédition vers le client. C'est ça qui pourrait être un petit peu, ça pourrait être problématique vers les clients qui achètent des produits et qui ne recevront pas les produits ou il y aura un délai jusqu'à ce que le produit arrivera vers le client. Ok, j'ai cherché le mot coronavirus sur eBay. Il y a presque 4000 résultats. On a tout sur des produits, vous voyez, qui vendent, surtout dans les masques, hein. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal des masques en ce moment qui se vendent dans la catégorie de masques. Alors, vous voyez qu'il y a des ventes de la Chine, mais à cause de la situation, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre jusqu'à ce que vous allez recevoir le produit si vous allez acheter un produit pareil. Alors, vous pouvez appuyer sur, disons, sold listing, vente, les ventes qui ont été effectuées. Et vous pouvez voir que il y a plus que 50% qui ont été vendus. De tout ce qui a à voir avec les masques pour le visage. Et vous voyez que la majorité des produits qui se vendent, au fait, vous voyez, ça vient de l'Angleterre, par exemple, UK, United Kingdom. Alors, la majorité des produits se vendent ou bien l'Australie, ou aux États-Unis, ou l'Angleterre. Parce que c'est beaucoup plus simple et les produits peuvent être expédiés facilement et rapidement. Mais ce qui est intéressant aussi, je vois qu'il y a même des gens qui n'ont pas beaucoup de feedback et ils commencent à mettre des produits en vente dans cette catégorie, réussis à vendre. Par exemple, ici, il y a un vendeur qui a un seul feedback. On va voir combien de temps il se trouve sur eBay. Alors, deux, bon, il en a vendu déjà deux de ce produit et il vient de commencer. eBay Profit Started. OK. Bon, de toute façon, si vous pouvez voir le. Il vient sans doute de commencer ce vendeur, c'est très nouveau, très récent. Disons quelques mois, il se trouve sur la plateforme d'eBay. De toute façon, ce que je peux vous dire, c'est comme ça, c'est que quand vous mettez le mot coronavirus et vous pouvez voir ce que vous trouverez sur la plateforme d'eBay, ça vous donnera des idées de produits que vous pouvez tout simplement mettre en vente dans votre compte d'eBay. Surtout en ce moment, et c'est un peu une panique. Disons qu'il y a la panique, surtout les gens qui sont en relation avec la Chine. Et c'est pour ça que ça, c'est des produits qui se vendent très très bien en ce moment. Et j'aurais quand même bien vérifié de vendre des produits pareils, mais pas vendre ces produits en expédiant de la Chine, mais surtout de l'Europe ou des États-Unis. Parce que de la Chine, il y aura sans doute un délai et je ne pense pas que ça va être expédié d'une façon assez vite. Surtout à cause de la situation en ce moment. Et je vous propose quand même d'être assez prudent en ce moment si vous expédiez des produits de la Chine.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, marquez-les en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un like. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Vous pouvez écrire vos commentaires en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous rejoindre à notre groupe de Facebook. Vous verrez le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Vous pouvez voir le lien en dessous de cette vidéo pour voir ma formation gratuite et mon livre gratuit. Je vous souhaite une bonne journée et on se verra dans la prochaine vidéo.